Bonjour chers tous. À l'heure actuelle, il n'est pas toujours facile pour les nouveaux créateurs de contenus de se faire une place sur YouTube. Dans cette vidéo, vous verrez 7 conseils pour avoir des vues et des abonnés. Le premier conseil est de créer des miniatures qui attirent. La miniature doit être claire, agréable à l'œil, lisible, bref et impactant. Quand vous créez des miniatures, veuillez éviter les blancs et les rouges. Utilisez plutôt les coloris vifs comme les oranges, les verts, les bleus ou les jaunes, car ils attirent les regards. Le deuxième conseil est le référencement. Il ne faut pas choisir au hasard les mots-clés que vous allez mettre dans les titres et la description de la vidéo. Ils doivent correspondre aux questions les plus posées par les utilisateurs dans la barre de recherche. Je vous recommande d'utiliser l'application TubeBudu. Elle vous permettra de bien choisir vos mots-clés. Le troisième conseil est de soigner ces titres comme la miniature. Le titre est la première chose que voit le public. Il faut donc qu'il soit clair et percutant. Le quatrième conseil est de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux. À chaque sortie de la vidéo, informez tes abonnés sur ton compte Facebook, Instagram et autres. Le cinquième conseil est d'utiliser les playlists sur sa chaîne YouTube. Ils vous permettront de regrouper vos vidéos par thématique. Par conséquent, vous garderez votre audience plus longtemps sur votre chaîne. Le sixième conseil, c'est d'être mis en avant sur la page d'accueil. Sachez que YouTube tend à privilégier la nouveauté et la popularité. Dès la seconde où vous sortez une nouvelle vidéo, utilisez tous les moyens à votre disposition pour la promouvoir avant 48 heures. Ainsi, vous ferez mieux de déterminer à quel moment de la journée vos abonnés se connectent plus pour publier la vidéo. Le septième conseil est de faire des partenariats et des concours. Pour les partenariats, contactez d'autres chaînes ayant une thématique similaire à la tienne et proposez-leur de collaborer ensemble. Vous pouvez faire un échange de vidéos ou bien en tourner une ensemble. Si cette vidéo vous a plu, je vous prie de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.